Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais ouvrir et vous faire découvrir ce magnifique coffret Dresseur d'élite Mewtwo. C'est un coffret Dresseur d'élite de l'édition Pokémon Go. C'est une nouvelle édition EB 10.5 qui est sortie le 1er juillet 2022 et qui comprend 88 cartes dont 10 cartes secrètes. Donc je vais vous faire découvrir ce qui est à l'intérieur de ce coffret Dresseur d'élite. Alors a priori il y a 10 boosters Pokémon Go, une carte promo brillante de Mewtwo V, 65 protège-cartes, 45 cartes énergie, un guide de jeu de l'extension, 6 dés marqueurs de dégâts, un dé lanceur de pièces autorisé en compétition, 2 marqueurs d'état spéciaux en acrylique, un marqueur V-Star, un coffret de collection avec carte séparateur, une carte à code pour JCC Online. Bon, écoutez, ça me paraît super sympa. Alors, ce coffret, vous pouvez le trouver sur le marché entre 70 et 80 euros, je dirais, en moyenne. Hein. Alors, j'imagine qu'il y a sûrement des vendeurs qui le vendent plus cher. Je ne sais pas si vous trouverez moins de 70, vu que c'est une édition un peu spéciale, c'est le B 10.5. Donc, allez, c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'il y a. Et comme vous le savez d'habitude, je fais l'ouverture et après, je ferai une deuxième vidéo que vous trouverez sur l'analyse et les statistiques de cette ouverture. Alors, en premier, on a le guide de jeu. Bon, ça, c'est pas mal parce que le guide de jeu, déjà, il va vous donner toutes les cartes de ce coffret. Il va vous donner pas mal de conseils. Donc, ça, c'est vraiment bien. Alors, voilà, vous avez la liste à la fin de toutes les cartes. Alors, ça, c'est vraiment très sympa. Vous voyez, des super cartes secrètes, il y en a 10. Voilà, donc, bon... Les cartes secrètes, je ne sais pas la probabilité d'en avoir une dans un coffret, mais bon, ça serait bien d'en avoir une. En tout cas, il y en a certains qui sont super cotés à plusieurs dizaines d'euros, voire plus que 50 euros. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a les dés. Et le dé, j'aime bien ce dé, il y a une sorte de bleu qui est pas mal, et tout plein de petits dés en même temps. Donc je vais y mettre sur le côté. Hop! Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce coffret, les amis? Alors, normalement, on a 10 boosters, hein, c'est ce qui était indiqué. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boosters, les amis. Donc, il y a de quoi faire, ça va être sympa. Ça va être sympa. On a ces protège-cartes. Donc, ça, comme ça, vous allez pouvoir créer votre deck à l'effigie de Mewtwo. Ils sont sympas, ils sont vraiment pas mal, les protège-cartes. Il y a une carte code pour le JCS Online. Je vous le donnerai à la fin, comme je fais pour chaque ouverture. On a aussi... Alors, donc, c'est vrai qu'après, ça se transforme en boîte. Pour ranger vos cartes, qu'est-ce qu'on a? Les intercalaires ici. Ça, c'est quand vous rangez vos cartes dans la boîte, justement, qui est là. Vous allez pouvoir ranger vos cartes, mettre les intercalaires dedans. Ça, c'est pas mal du tout. Bon, c'est une boîte, vous allez pouvoir ranger plusieurs centaines de cartes quand même. Hein. Je remets le truc. Bon, c'est pas mal. Hein. Plusieurs centaines de cartes. Il y a ces intercalaires. Il y a donc ces petits marqueurs aussi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le fameux marqueur V-Star. Alors, c'est marrant parce qu'il me semblait qu'il y en avait deux. Des marqueurs V-Star. Non, un seul marqueur V-Star en acrylique. Vous voyez, c'est en solide. On a aussi tout ce paquet de cartes énergie. Alors voilà, quand vous allez créer votre deck, c'est quand même plutôt sympa. Hop, je vais l'ouvrir. Vous voyez, vous avez de toutes les couleurs. Alors effectivement, il y en a 45, donc vous divisez par le nombre de couleurs. Je sais pas, je vous donnerai l'analyse. Et on a cette... Oh, elle est belle, elle est magnifique, la carte promo. SWSH 229. Elle est vraiment super belle. Je vais essayer de... Voilà. Alors, par contre, faites attention parce qu'elle est enveloppée d'un plastique. Donc, quand vous l'ouvrez, quand il n'y a qu'une carte, il faut faire attention à ne pas l'abîmer, la carte. Parce que c'est vrai que le plastique va toucher les bords. Hop, voilà. Elle est vraiment, vraiment belle. Hein. Franchement, la brillance, luminosité et tout. Donc, vraiment, vraiment une très, très belle carte. Allez, les boosters, on les a là. Pokémon Go, bah voilà. C'est à l'effigie du jeu et puis surtout il y a 10 cartes par booster. On va voir ce que ça donne, je sais pas dans quel ordre elles sont, s'il y a un ordre spécifique. Je vais faire comme les boosters habituels les amis et puis on va voir en premier la carte pour le JCC Online, pour le code pour le JCC Online. Voilà, c'est gratuit, Pokémon Go en plus, donc je vous le donne gratuitement le code. Hop, je vais mettre la carte ici. Et on va découvrir, je sais pas le logo, on va le découvrir ensemble, le logo. Avec en premier, ah, un Pikachu. Voilà, je vous montre le logo qui est ici en bas à gauche. Donc effectivement, il y a marqué Pikachu, là c'est 27 sur 78. Mais en fait, il y a 88 cartes, parce qu'après 78, il y a 10 fameuses cartes spéciales. Donc en premier, c'est la commune Pikachu. Ensuite, on a Carapuce. Une autre commune, donc c'est la numéro 15. Alors j'espère qu'en 10 boosters, je vais pouvoir avoir toutes les communes et plus communes. Castorno, la commune numéro 60. Ensuite, c'est Ratata d'Alola, la commune 41.
Donc il y a 5 communes par booster, comme vous le savez. Chamallow, la commune numéro 13. Et là, on a 3 peu communes. Reptincelle, la numéro 9. Un dresseur module leur numéro 67. Alors bien sûr, dans la vidéo d'analyse, je vous dirai exactement combien j'ai eu de cartes différentes sur les cartes de l'édition. Vous saurez tout. Le nombre de cartes, les cotations de ces cartes. Allez, Migalos, la peu commune numéro 7. Une énergie. Alors celle-là, je vais peut-être la mettre avec les autres cartes énergie, comme ça, je vais pas m'embêter. Hop, ça sera plus simple. On a ensuite Tyranocif. Oh, Tyranocif, c'est une rare reverse, les amis. Ah, ça, c'est pas mal. La numéro 43. Bon, ça commence bien, premier booster. Et la dernière carte, la rare, l'ultra rare. Oh, Melmetal V. Alors là, ça commence très bien. Melmetal V, c'est la numéro 47. Alors, je commence par une rare reverse et une ultra rare. Alors après, bon, c'est vrai qu'au sorti, généralement, ce type de carte, ça peut valoir 1 euro. Hein, donc, on va pas s'enflammer. Mais c'est une très belle carte. Et puis, en tant que collectionneur, autant avoir le maximum de cartes différentes. Ça, c'est sympa. Alors, premier booster, c'est plutôt intéressant avec une ultra rare et une carte rare reverse. Allez, le deuxième booster. Voilà le code pour le JCS Online. Ouais, c'est gratuit, alors après, jouez le jeu, prenez-en un et laissez les autres pour les petits copains. Mais c'est vrai que premier arrivé, premier servi. Allez, en premier, la commune Ambrilex. Je vais essayer de récupérer les cartes pour pas perdre trop de temps. Voilà, allez, Ambrilex, c'est parti, c'est la numéro 37. Ensuite, on a Natu, commune numéro 32. Alors, il y a le logo, hein, vous voyez, Pokémon Go sur chaque carte. Hein. Capidextre, commune 57. Ramolos, commune 19. Castorno, commune numéro 60. Un dresseur, capitaine d'équipe Candela, peu commune 65. Céleroc, peu commune 34. Et Super Bonbon, la peu commune 69. Bon, j'espère que j'aurai toutes les cartes. Hein. Vraiment, toutes les cartes communes et peu communes. Après, oh, ah bah voilà, capitaine d'équipe Spark, c'est une peu commune reverse, la numéro 70. Bon, c'est plutôt intéressant. Et oh, et ben voilà, la 43, Tyranocif. Alors en fait, c'est une holo. Donc là, j'ai eu la version rare, holo rare reverse. En fait, c'est une holo rare à la base. Et là, j'ai la version holo rare, les amis. Donc j'ai les deux versions. Bah écoutez, c'est pas mal hein, en deux boosters. C'est plutôt intéressant, surtout sur le long terme, c'est quand même. Alors sur le court terme, c'est pas forcément des cartes qui peuvent avoir beaucoup de valeur, parce qu'il y a beaucoup de cartes mises en vente, mais sur le long terme, c'est des cartes quand même qui sont intéressantes, dont la valeur peut monter pas mal. Allez, troisième booster. Le code pour le JCC Online. Et voilà les amis, c'est parti. En premier, alors il y aura forcément des cartes que je vais avoir en double hein, parce que vu qu'il y a 88 cartes dans l'édition, enfin 78 cartes, il y a forcément les communes qui vont en venir en double. Sur 10 boosters, je vais avoir 50 communes quand même. Et il n'y en a pas 50 dans l'édition. Allez, Bulbizarre, commune numéro 1. Poichigeon, commune 61. Magikarp, pour l'instant, j'ai pas trop de doubles, donc c'est pas mal. Commune 21. Meltan, commune 45. Evoli, commune 54. Camerupt, peu commune numéro 14. Ça se passe très bien. Infect, peu commune, numéro 38. Capitaine d'équipe Candela, bah là, je viens de l'avoir en. C'est le dresseur que je viens d'avoir en reverse. C'est la carte peu commune numéro 65. Une énergie bleue. Et on a Magikarp. Ah bah oui, j'ai eu la version, je crois, la version en version normale. Et bah voilà. J'ai dans le même booster la version reverse et la version normale de cette commune numéro 21, les amis. Ça arrive régulièrement d'avoir les deux versions dans un même booster. Voilà. Et en... Oh, Nymphali, c'est une holo rare, la numéro 35. Alors, je pense qu'il n'y a que des holo rares. Il n'y a pas de rares classiques dans les éditions comme ça qui sortent avec un numéro point quelque chose. Donc là, c'est Nymphali, c'est l'holo rare numéro 35. Donc, c'est vrai que dans chaque booster, les amis, j'aurai au moins une carte holo rare. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on continue. On va ouvrir un quatrième booster. Hop. C'est parti, voici le code pour le JCC Online. Et c'est parti les amis. Allez, en premier on a Cap Humain, la commune 56. Je l'avais pas vu, c'est la Bulbizarre, la numéro 1, on l'avait eu le booster d'avant. Chamallow, la commune numéro 13. Ratatac d'Alola, commune 42. Et Colombo, commune 62.
Ensuite, Xatu, peu commune numéro 33. Pokéstop, un autre dresseur, peu commune 68, je l'avais pas eu. Flagados, peu commune numéro 20, il me semble qu'il y a quand même beaucoup de cartes que je n'avais pas. Donc là, c'est intéressant, on a une carte énergie. Et en reverse, ah, un dresseur, moduleur, peu commune numéro 67. Et en rare, encore une holo rare, c'est Loclass, la numéro 23. Ah, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que je vais quand même compléter pas mal. Je pense que, alors effectivement, ce coffret coûte un peu plus cher que les autres coffrets dresseurs d'élite, mais je pense que les cartes sont quand même plus sympas. Toutes ces éditions annexes en plus sont vraiment très sympas. Donc après, si vous avez la chance d'avoir une super carte Mewtwo secrète, alors là, vous explosez la valeur de votre coffret, là. Allez, un nouveau booster, les amis. Voici le code pour le JCC Online. En tout cas, c'est des belles cartes à chaque fois, parce qu'il n'y a pas de rare classique dans cette édition. Il ne me semble pas. Allez, en premier, Mimigal, la commune numéro 6. Je ne l'avais pas, je crois. Ratatadalola, la commune 41. Ah, mais il y en a plusieurs Ratatadalola, il me semble. C'est pas les mêmes numéros. Kenotor, commune 59. Salamèche, commune numéro 8. Capumain, commune 56. Capitaine d'équipe blanche, c'est un dresseur, peu commune 64. Camérup, peu commune 14. Ah bah, alors là, par contre, c'est rare. Ça, les amis, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver dans des éditions qui n'ont pas beaucoup de cartes, c'est d'avoir deux fois la même carte dans le même booster. Alors ça, en plus, un dresseur, capitaine d'équipe blanche, j'ai eu deux fois. Ça, c'est assez rare. Bon. Je ne l'ai pas vu souvent. Allez, Colombo, en commune, la 62, commune de Reverse, et la rare, l'Euphorie, une holorare, la numéro 52. Donc c'est une nouvelle holorare, c'est la cinquième différente, comme vous pouvez le voir. Donc il y en a une dans chaque booster, donc c'est vrai, je ne sais pas combien il y en a dans l'édition. De toute façon, dans la vidéo de stats, d'analyse et de stats, je vais vous dire combien il y a de cartes, combien il y a de communes, combien de peu communes, combien j'en ai eu surtout. Ah, il me reste 5 boosters, les amis. Je vois là, déjà, en 5 boosters, j'ai ouvert à peu près 50 cartes. Il me semble que j'en ai au moins une quarantaine de différents sur les 88 de l'édition. C'est plutôt intéressant. Hop. Allez, 6ème booster, les amis. 6ème booster. Alors, j'aimerais bien avoir aussi une super carte mieux que cette petite ultra rare. Alors, le code pour JCC Online. Voilà. Une vraie grosse carte. Magnifique à regarder. Enfin, je sais pas si ça... Ça doit pas arriver. Je connais pas les probas. Hein. Je sais pas si ça arrive souvent. Allez, c'est parti. Pochi Géon, la numéro commune 61. Onyx, commune 36. Evoli, commune 54. Je crois pas que je les avais. Salamèche, c'est la commune numéro 8, je l'ai déjà eu, je crois, le booster d'avant. Capumain, commune, 56. Super Bonbon, peu commune, 69. Voilà, il y aura des doubles, hein, les amis. Camérup, peu commune, 14. Incubateur d'œuf, peu commune, 66. Forcément, je vais les avoir en double. Hein. Là, on va rentrer dans des boosters où je vais tout avoir en boue. Une énergie plante et Migalos. Une peu commune reverse, un numéro 7. Allez, la rare. Oh, 77. Ah, j'aurais aimé les dépasser à 78. Mona Flémite V. C'est la numéro 77, alors je sais pas ce que ça cote, mais au-delà de 78, ça cote bien, hein. Mais la 77, je sais pas, ça peut être intéressant. En tout cas, elle est magnifique, voilà. Magnifique carte, une de plus pour la collection. Elle reste 4 boosters, les amis. Alors j'imagine que vu que j'ai eu celle-là, je suis pas sûr d'avoir une super, super carte. Ça va être... on va voir. Écoutez, il y a encore 4 boosters à ouvrir, on sait jamais. Allez, le code pour le JCC Online. C'est gratuit, les amis. Et voilà. Allez, c'est parti. Avec en premier... Alors là, oui, il va y avoir des doubles. Hein. Natu, la commune 32. Capidextre, commune 57. Ramolos, commune 19. Castorno, commune 60. Pikachu, la commune 27, je crois que c'était la première carte que j'ai découverte. Déflaisant, la commune, peu commune 63, pardon. Moduleur, peu commune 67. J'ai déjà eu Camérupt aussi, je l'ai eu au moins 4 fois, je crois. Peu commune 14. Allez, une énergie électrique. Et Ronflex en rare reverse. Oh, la 55, c'est une deuxième rare reverse. En 10 boosters. Bon, écoutez, c'est pas mal. Après, il y a quand même 10 boosters. Hein. Et Sarmurai, Lolo rare numéro 26. Alors, je reprends, voilà. Donc, ça me fait 2 rares reverse quand même, les amis. Effectivement, vu que j'ai eu des cartes comme ça, j'ai eu un peu moins de cartes holo rares. J'en suis à 1, 2, 3, 4, 5 cartes holo rares.
Je vous ferai le point à la fin, de toute façon. En tout cas, les 5 holo rares que j'ai eues, il y en a une que j'ai en double, puisque j'ai eu la reverse aussi. Donc là, c'est vrai que sur ces cartes-là, sur les 9 cartes, il y en a une en double, j'ai eu 8 cartes différentes. Alors moi, ce qui compte, c'est d'avoir un maximum de cartes différentes, en sachant qu'il y a 10 secrètes, donc à moins d'avoir un coup de bol d'en avoir une, c'est 10 cartes que je n'aurai pas, de toute façon. Allez, le 8e booster, voilà le code pour Justice CC Online. Voilà. Et c'est parti, ah, Pikachu encore. Voilà, le Pikachu, la commune numéro 27. Carapuce, commune numéro 15. Meltan, commune 45. Kenotor, la commune 59. Magikarp, commune 21. Herbizarpe, commune 2. Ah, je l'avais pas vu celle-là, il me semble pas. Pokéstop, oh, je sais pas, la peu commune 68, je sais plus. Carabaf, peu commune 16. Eh ben ça, je sais plus non plus. Allez, énergie combat. Et en reverse, eh ben Pokéstop, ah, voilà, c'est encore une fois, ça arrive, c'est d'avoir la carte normale et la version en reverse dans le même booster, comme vous pouvez le voir. J'ai les deux versions. Après, j'aurais aimé avoir une autre version, comme ça, je complète au maximum. Allez, la rare, c'est parti. Oh, noix de coco d'Alola V1 ultra rare, la numéro 5. Bon, ça vaut pas grand-chose, celle-là, c'est pas top, mais ça vient compléter la collection et un nombre de cartes différentes. Il me reste deux boosters, les amis. Je trouve que j'ai quand même eu pas mal de choses intéressantes. J'ai hâte quand même de faire l'analyse, aller voir ce que ça donne. Après, c'est vrai qu'il faut quand même avoir pas mal de cartes bonnes pour ce type de coffret, qui sont un peu plus chères, des éditions un peu annexes. Bon, il faut avoir un peu de chance quand même pour arriver à la rentabilité. C'est un peu comme ça chez les Pokémon. Ou alors, faut attendre parce que les cartes sont en bon état et puis voilà, les produits sont intéressants. Et puis, c'est couvert intéressant. Si vous créez votre deck, vous avez des super produits. Ah, voilà le code pour ce 9e booster, le code pour JCC Online. Cela, vous avez de quoi créer votre deck. Vous avez des protège-cartes, vous avez des dés, vous avez tout plein de trucs. Et ça, c'est vraiment top. Ça, vous avez des cartes énergie, vous avez de quoi faire vraiment pas mal de choses. Allez, Evoli, commune 54. Chamallow, commune 13. Ratatac d'Alola, commune 42. Voilà, il y avait la 41 et la 42. Colombo, commune 62. Ambrilex, commune 37. Je ne sais pas si j'avais la 37. 36, il me semble. Flagados, peu commune 20. Celeroc, peu commune 34. Et Pokéstop, encore, j'ai eu dans le booster d'avant, peu commune 68. Ensuite, une énergie feu. Sulfura. Oh, c'est une rare reverse. La numéro 12. Ah, je sais pas, elle est pas mal celle-là. Bon. Et ensuite, Dracaufeu. Oh, la numéro 10, l'Olora Dracaufeu. Ah, dans le même booster, j'ai Sulfura et Dracaufeu, les amis. Oh, ah bien, un Dracaufeu, bah, j'ai chopé au moins un Dracaufeu. Bon, alors après, c'est une Olora, hein. Elle vaut peut-être pas grand-chose, mais c'est toujours un Dracaufeu. C'est plutôt pas mal. Écoutez, je suis quand même plutôt content, parce que là, le fait que j'ai eu deux cartes ultra rares, plus une carte... trois cartes ultra rares, c'est quand même déjà pas mal. Je pense que j'ai pas mal de cartes différentes. Allez, dernier booster, je vais tout vous dire dans la vidéo d'analyse, les amis, derrière. N'hésitez pas. Alors, si vous regardez cette vidéo à la sortie, la vidéo d'analyse sera mise le lendemain, tout simplement. C'est comme vous avez l'habitude sur ma chaîne YouTube. Allez, le dernier booster avec le code pour le JCC Online. Et je vous donnerai à la fin de la vidéo le dernier code, bien sûr, comme je le fais d'habitude. Hop. Allez, c'est parti pour ce dernier booster. Allez, Ambrilex, commune 37. Capumain, commune 56. Mimigal, commune 6. Ratata d'Alola, commune 41. Et Sauf-Kipou, commune 25. Oh, je l'avais peut-être pas celle-là. Oh, c'est quand même. Xatu, peu commune 33. Flagados, peu commune. Alors, il y en a, j'ai. Par contre, des peu communes, je les ai 4 fois. Et Celeroc, peu commune 34, voire plus. Allez, l'énergie. Et en reverse, Poichy Géon, la commune 61 reverse. Allez, la dernière carte, les amis. Et puis après, je vous fais un petit récap et je vous donne le dernier code pour le JCC Online. Tac, Elector. Oh, une holo rare. La numéro 29. Alors, les amis, voilà, c'est quand même pas mal ce coffret. Déjà, il y a une carte promo Mewtwo qui est magnifique. Franchement, les amis, super coffret. La boîte très sympa pour ranger vos cartes. Vous avez... Tous les petits accessoires, les jetons, les intercalaires, surtout les protège-cartes. Vous avez 45 cartes énergie, des petits dés. Vous avez aussi le petit livret avec toutes les cartes.
Et voilà, et derrière, 10 boosters, c'est quand même pas mal, c'est quand même super intéressant. Donc qu'est-ce que j'ai eu dans ces 10 boosters? Vous avez de toute façon des cartes holo-rares dans chaque booster, il n'y a pas de rare classique. Donc c'est vrai qu'au final, j'ai eu quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes holo-rares. C'est pas mal, Elector, Dracofeu, Samurai, Leuphorie, Loclas, Nymphali et Tyranocif. En plus, j'en ai eu 3 Reverse. Alors le Tyranocif, je l'ai eu en version normale, en version Reverse. Donc ça m'en fait, comme vous pouvez le voir, ça m'en fait 10. Donc 9 différentes, tout simplement. 9 différentes en 10 boosters, c'est pas mal. Parce qu'en plus, j'ai eu ces 3 cartes, les amis. Ces 3 cartes que j'ai eu en plus, ultra rares. Donc Notre Coco d'Alola V, Melmetal V et Mona Flemmide V. Donc c'est-à-dire que j'ai eu quasiment 13 cartes différentes. Rien que sur ces cartes qui sont un peu plus recherchées. Après, j'ai eu énormément de cartes autres. J'espère avoir quasiment toutes les communes et peu communes. Mais ça, je vais tout vous dire dans la vidéo d'analyse, les amis. Allez, je vous donne le dernier code pour le JC Online. Et puis les amis, ben, je vous donne rendez-vous pour cette vidéo d'analyse. Vous allez trouver le lien à la fin de cette vidéo où je vous donnerai toutes les statistiques sur les cartes découvertes. Déjà, vous saurez tout, combien il y a de cartes dans cette édition, de cartes différentes, combien j'ai eu de cartes différentes grâce à cette boîte. Et aussi, le plus important, c'est la valeur des cartes, les cotations des cartes que j'ai obtenues, la rentabilité de mon ouverture. Vous saurez tout, les amis, dans ma vidéo d'analyse et de stats. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.